Dans le cadre de l'exposition Expanded Images, je suis ravie de pouvoir montrer mon projet What Girls Are Made Of pour la première fois, et encore plus de pouvoir le faire au Japon, parce que c'est un pays qui m'inspire depuis longtemps, tant d'un point de vue esthétique que dans son rapport à la fiction ou à la mise en scène. Tout d'abord, j'ai travaillé en atelier pour réaliser une sculpture en résine par strates, ce qui m'a permis finalement de faire un collage mais en volume. J'ai sélectionné des images dans un corpus de photos que je collectionne depuis des années, qui sont issues de vieux magazines. La composition des différentes images est figée dans une substance organique qui est constituée de différents fluides, de paillettes, d'encre, de strass, de bijoux et d'autres petits éléments. Dans un second temps, je suis allée photographier cette sculpture en studio, un peu à la manière de la macrophotographie. Je suis allée chercher dans la composition, à l'échelle de quelques centimètres, les zones qui m'intéressaient le plus, en utilisant l'épaisseur de la sculpture comme un prisme ou une lentille qui conduit la lumière et qui crée même parfois des aberrations visuelles. Et dans un troisième temps, avec ces photographies qui sont donc des surfaces planes, j'ai travaillé avec l'équipe de Rico pour créer artificiellement du volume et des creux à certains endroits grâce à l'impression 2,5D. Cette hiérarchie d'épaisseur est déterminée par la quantité de lumière qui doit pouvoir traverser l'image, car cette série sera exposée dans des caissons lumineux rétroéclairés, ce qui permettra de recréer l'impression de profondeur. J'aime bien l'idée que ces caissons lumineux puissent faire penser à des radiographies ou à des dioramas, en présentant comme ça sous forme de petits extraits ce qui pourrait constituer l'intérieur des jeunes femmes. Alors je pense que c'est une manière pour moi assez ironique et tendre de tenter de décrypter les préjugés sur la féminité avec lesquels j'ai grandi.